première vidéo avec l'ordinateur à la maison. Regardez pas ma tête, je suis en âge. Voilà Fifi, ça y est, elle reprend ses habitudes. Maman fait une vidéo, elle est contente. Elle est contente. Ouais, là on dirait Bécassine. Je suis en âge, je suis rouge. J'étais faire les courses ce matin, je suis allée acheter mon plan de travail pour continuer à faire mon atelier. Là, pour l'instant, le plan de travail est dans la voiture parce que impossible de sortir toute seule de la voiture. Il est trop lourd, donc je vais attendre que mon mari revienne du boulot tout à l'heure. Et là, je n'ai pas pu demander à mon fils parce que lui est parti au boulot aussi. Voilà, je sortirai tout à l'heure. Et du coup, je vais faire les courses, tout ça. Et j'ai été chercher les lots pour le concours. Voilà, donc vous allez les voir dans la vidéo après. Et, et là, là, dans la vidéo aujourd'hui, je vous montre les dernières cartes que j'ai reçues. Si Fifi veut bien me laisser. Donc là, j'en ai plus reçu aujourd'hui, hein, et aujourd'hui je suis allée à mon appartement faire l'état des lieux et rendre mes clés. Donc il n'y avait plus de cartes, il n'y avait plus de courrier non plus. Normalement, ben, à part les cartes que je vais vous montrer maintenant, il n'y en a plus, hein, moins qu'il y en ait d'autres qui sont sur le chemin, mais là, bon, trop tard, puisque le concours se termine définitivement aujourd'hui. Puisque le tirage au sort aura lieu dans la vidéo suivante. Donc, si d'autres ont envoyé des cartes, désolé les filles, il sera trop tard. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, la première, qui n'est pas... Vous voyez, c'est une petite qui n'est pas faite dans la taille que j'avais demandé, mais bon, qui fera partie du tirage au sort quand même, hein, parce qu'elle a quand même fait sa carte, elle a quand même fait une carte qui vient de Nathalie. Voilà, je vous la montre. Voilà, avec des découpes de feuilles. Là, à l'intérieur, elle a mis des petites tasses à café, un petit cupcake, et elle m'a noté. Alors, bonjour Edith, bien, voici ma participation à ton concours, merci, j'arrive plus à lire, merci pour celui-ci et félicitations pour tes 2074 abonnés. Alors, si je ne me trompe pas, au jour d'aujourd'hui, on doit être arrivé à 2092 ou 2094 abonnés à ce jour. Fifi, laisse-moi lire. Alors, merci encore à toutes. J'espère que ton emménagement se passe bien. Oui, très bien. Là, le plus gros est terminé maintenant, donc je suis contente. Et que la nouvelle demeure est à ton goût. Tout à fait. Voilà, on s'y plaît très bien. Alors, à bientôt sur YouTube. Et elle m'a mis tous ces petits renseignements comme j'avais demandé. Voilà. Donc, je remonte. Bon, Fifi. Vous voyez, elle recommence, ça y est, elle reprend ses habitudes. Voilà. Donc, merci pour ta carte, Nathalie. Bon, malgré qu'elle n'était pas dans la bonne taille. Alors, la suivante. Alors là, je n'ai pas encore ouverte. Je vais prendre le couteau. Qui vient de Cynthia Créa. Alors, excusez pour le bruit. Ah, il y a des petits paquets. Oh, c'est joli ça. Je vous montre tout de suite le petit cadeau qu'elle a fait. Un sac qu'elle a fait elle-même. J'adore. C'est super joli. Une petite découpe. Elle a fait un embellissement. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Ben, merci beaucoup pour le petit cadeau. Elle m'a fait sa carte. Alors, je vous montre d'abord sa carte du concours avec un petit lapinou.
Voilà, la carte du concours avec un petit napperon papier, un petit lapin, puis un tamponnage et colorié, des petites découpes, très jolies. Donc derrière, elle m'a mis tous ces petits renseignements, super. Elle scrape à l'américaine et elle aime bien le shabby aussi. Elle a commencé à scraper en 2017. Ben, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir la petite carte. Qui est le petit lapin, pareil. Tout joli. Coucou Didith, voici ma petite participation au concours. J'espère que ça te plaira. Je te fais des gros bisous en espérant que le déménagement se passe bien. Bah écoute Cynthia, merci beaucoup. Merci pour ta petite carte et merci beaucoup pour le petit plus que tu m'as mis dans l'enveloppe. Ça me fait très très plaisir. Voilà, j'en ferai très bon usage. Alors, on va tout remettre dans l'enveloppe pour le tirage au sort après, tout à l'heure. Ce tirage au sort, je vais tout remettre dans un grand sac. Et je tirerai à l'aveugle une enveloppe, enfin les trois enveloppes gagnantes, enfin gagnantes, oui. Alors, ici c'est Maryse. J'essaye de faire attention de ne pas déchirer les adresses surtout. Oh, très joli, donc des couleurs que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Avec un encadrement en perles, une image de lilas, des petits papillons, un petit papillon en perles. Coucou Edith, voici ma petite carte pour ton concours. Félicitations pour ton nombre d'abonnés. Gros bisous, Maryse. Donc son style préféré, c'est le shabby et le shabby vintage. Super. Ah, t'es née la même année que moi. Super. Bah écoute, j'aime beaucoup aussi. Très très jolie. De toute façon, toutes vos cartes sont jolies. Hein. Je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous disais que je faisais le tirage au sort aujourd'hui. Voilà, et la dernière, alors je pense que c'est, je vois qu'elle est ouverte, mais je pense que c'est une que je ne vous ai pas montrée, qui vient de la Belgique, et les timbres n'ont pas été oblitérés. Et elle vient de Dominique. Alors, je pense que celle-là, je ne vous l'avais pas montrée, non, je ne l'avais pas montrée. Voilà, avec des petits oiseaux. Des petites fleurs en papier, la dentelle d'action, là en plastique. Elle est très très belle. Alors, elle m'a fait un petit mot. Voilà, j'arrive plus à lire. La carte pour la participation pour le concours, je suis de la Belgique, à 5 minutes de Vieux-Condé. Ah ouais, t'es pas loin de chez moi alors. Je n'ai pas de chaîne YouTube, merci pour le concours et bon déménagement, bisous. Bah écoute, merci beaucoup, j'aime beaucoup ta carte aussi, elle est très très jolie. Merci, merci, merci. Bon, t'arrêtes un petit peu toi. Donc voilà, les dernières cartes que j'ai reçues donc pour le concours. J'espère n'avoir oublié de montrer personne. Et je vous dis, s'il y a des cartes que je n'ai pas montrées, c'est que je ne les ai pas reçues. Elles arriveront peut-être après, j'en sais rien. Mais de toute façon, si j'en reçois encore, je vous les montrerai, hein, bien sûr. Et malheureusement, bon, je suis désolée, du coup, elles ne feront pas partie du concours. Voilà. Alors, je vais vous montrer deux petits courriers, un que je viens de recevoir et un que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Voilà. Une de Christelle, qui m'a envoyé une petite carte qui m'a fait très plaisir, qui est en vacances. Voilà, ça m'a fait plaisir de recevoir une carte de ses vacances.
Oui, elle dit qu'elle passe de très belles vacances, des balades, de repos, ça c'est super. Et qu'elle va aller demain faire le petit train des Cévennes. Voilà. Bisous à tous les deux, Christelle et Madeleine. Donc c'est Christelle et Madeleine, c'est sa maman. Donc certaines d'entre vous sauront de qui je parle. Fifi, mets-toi là. Et elle m'a fait en même temps. Alors, Christelle, il y a des petites strass qui sont tombées, mais je les ai dans l'enveloppe, donc je les recollerai. Elle m'a fait un. On appelle pas ça un ATC, je reviens plus sur le nom. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme un ATC, mais en forme de bobine. Je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, donc je commence à en avoir plusieurs, et ça me fait très plaisir. Voilà. Sur le thème des vacances. Donc, j'aime beaucoup. Et même en vacances, elle fait des créations. Super. Merci beaucoup, Christelle. Je sais que tes vacances se terminent là. Tu repars. Ça se termine demain. Donc, bon retour. Et là, j'ai reçu une enveloppe, enfin, une grosse enveloppe de Céline. Je savais que je devais recevoir une enveloppe de chez elle. Alors, on va l'ouvrir. Elle m'a envoyé des petites choses. Alors déjà, elle m'avait envoyé les tampons d'Action, parce qu'elle m'avait demandé si je les voulais, puisqu'elle savait que j'allais plus à Action en ce moment. Donc elle m'avait envoyé, je vais vous les montrer. Elle a bien emballé. On va enlever le scotch. Bon, c'est les tampons que j'ai pas, bien sûr. Donc, c'est des nouveaux, hein, normalement. Ça, c'est à moi. Hop. Non, c'était ceux-là. Celui-là. Celui-là, tout mignon, avec les petits toutous. Oups là! Oh, je vais tomber, je ramasserai après. Celui-là avec les petits chats et un petit chien. Là, avec des petits lapins. Et là, avec des petites abeilles. Ils sont tout mignons. Merci encore Céline, hein, de me les avoir envoyés. C'est super. Et donc, elle m'a mis des petits cadeaux. Des petits pompons comme ça. Super. J'aime bien. Eh, bah non, Fifi! Elle me les a chopés. Voilà, les petits pompons comme ça. Non, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. De la dentelle. Comme ceci. Que j'aime beaucoup la dentelle et des ATC alors qu'elle a brodé elle-même. Regardez, voilà, le papillon est brodé, c'est super beau. Et celui-ci, voilà, et le papillon du milieu est brodé. Ils sont très très beaux. Donc le thème, ben, le titre, c'est papillon. C'est le numéro 2 et le numéro 1. Ils vont rejoindre ma collection d'ATC. Génial. J'adore. Ils sont super beaux, Céline. Merci, merci beaucoup. Et là, il y a encore un petit paquet. Donc. Une petite étiquette ou marque-page avec un papillon, comme ça. Et des tags. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, des tags de plusieurs couleurs. Ah, je vais y arriver. Oui, voilà. Mais écoute, Céline, merci beaucoup. Tu m'as gâtée. Et je te remercie encore pour les tampons. De toute façon, on se reparle en message privé, il n'y a aucun souci, hein, comme d'hab. Et encore un grand, grand merci.
Donc voilà les cartes, les dernières cartes que j'avais reçues et donc les petits courriers que j'ai reçus cette semaine et aujourd'hui. Donc là maintenant, je vais faire la vidéo pour le tirage au sort et vous montrer les lots qui sont à gagner, que j'ai été chercher ce matin. Donc dans une autre vidéo, là je vous dis à tout de suite. Allez, je vous laisse sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour le résultat du concours. À tout de suite, bisous bisous, je vous aime toutes, à bientôt.